Au cours de nos recherches sur Old World Photoshop, nous avons commencé à remarquer une tendance avec de vieilles cartes postales des années 1900 montrant des exemples précoces de composition. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ces cartes, et s'il existe un catalogue, il n'est pas facile à trouver, mais beaucoup d'entre elles sont des exemples précoces de manipulation de photos. Il s'agissait de véritables cartes postales surréalistes dans lesquelles on tentait de tromper les gens en leur donnant l'illusion de la photographie. Au fur et à mesure que nous les examinons, une tendance très étrange et troublante a commencé à se dessiner. Cela a commencé par de simples cartes postales de bébés. À première vue, il s'agit d'une carte postale ordinaire, mais comme dans le cas du mystère des cartes postales du même ciel, où l'auteur a commencé à observer une tendance à la variété des cartes postales, il existe une catégorie de cartes postales qui mérite son propre nom et son propre label. Mais elle ne semble pas très connue, car il n'y a pas de site web ou de vidéo qui l'explique. Nous appellerons cela le mystère des cartes postales de repeuplement. Il existe d'autres noms pour ce style, comme les cartes postales pour bébés. Mais à la fin de cette vidéo, vous serez choqués par le nombre de ces cartes qui se comptent par milliers. Nous avons trouvé une référence à ces cartes dans un livre sur Amazon, intitulé « Babylon, Surreal Babies », dans lequel l'auteur décrit ces mêmes cartes postales particulières des années 1900 et explique comment elles ont profondément influencé de nombreux artistes célèbres dont Salvador Dali, tout en admettant que leur histoire est peu connue. Pour comprendre pourquoi nous les avons qualifiées de cartes postales de repeuplement, il est nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des réinitialisations ou resets, des tartares ou de tartaria, des trains d'orphelins, des incubateurs et des asiles. Ces cartes représentent des bébés en train d'être cultivés. Il existe de nombreux styles différents dans cette catégorie, l'un des plus intéressants étant celui des bébés dans les choux, une variété de thèmes impliquant des bébés qui grandissent. Des bébés sur les plantes. Des bébés sur des champignons. Des bébés dans l'eau. Des bébés dans un nid. Des bébés dans des œufs. Puis les bébés arrivent dans le train. Ces photos ont quelque chose d'étrange, comme si quelqu'un essayait de nous dire quelque chose. Des bébés dans des choux? Est-ce que cela aurait un rapport avec les Cabbage Patch Kids
ou les poupons patoufs en français. Alors d'où viennent les bébés ? Au début des années 1900, la réponse la plus courante donnée aux enfants était simplement que la cigogne apportait les bébés. Ou ils étaient trouvés dans une feuille de chou. Mais pourquoi les bébés seraient-ils trouvés dans une feuille de chou ? La légende des bébés dans des choux est celle d'un jeune garçon nommé Xavier qui rencontre une créature mystique de type lapin-abeille, un hybride ou une chimère, et qui suit ce lapin-abeille dans un tunnel secret situé derrière une cascade. De l'autre côté, il découvre que des bébés sont produits dans un champ de choux. La cigogne, connue sous le nom de Colonel Kazé, vient alors chercher les bébés. Elle a même un uniforme, c'est donc un travailleur, un soldat, ainsi que l'historien officiel des Cabbage Patch Kids, qui livrera ensuite les bébés à leur nouvelle maison. Non seulement ça, mais il y a une sorcière maléfique nommée Lavender McDade. Elle et ses sbires de belette et de lièvre essaient littéralement d'asservir les Cabbage Patch Kids pour en faire des mineurs qui creuseront pour trouver de l'or dans la vallée. Vous pouvez obtenir toute l'explication de l'histoire à travers leur album de 10 chansons qui va de la façon dont ils ont été fabriqués à la sorcière, en passant par une complainte sur leur asservissement. Le concept original des poupées en tissu a été créé par Martha Nelson Thomas. Elle les appelait « bébés poupées » et l'histoire n'avait rien à voir avec des choux, des chimères ou des sorcières. Ce n'est que lorsque Xavier Roberts, ou Xavier, comme le petit garçon de l'histoire, s'est emparé de son concept qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Xavier Roberts a-t-il inventé cette histoire tout seul ? Est-elle issue de la conscience collective ou a-t-il simplement un faible pour le travail des enfants ? Il y a un endroit où vous pouvez aller dans le comté de White en Géorgie où on fait des naissances vivantes et vous pouvez voir ça sur YouTube pour comprendre de quoi je parle. Le personnage de Bunny Bee, c'est une créature hybride de deux animaux qui symbolise la renaissance et la résurrection à grande échelle. Comme nous le savons, les lapins se reproduisent en masse. Et la symbolique de l'abeille me fait penser à une ruche ou à une reine, la source qui donnerait naissance à tous ses descendants. Il semblerait que cela fasse référence à la création massive de bébés en laboratoire. Mais pourquoi y a-t-il eu autant d'orphelins ? La réponse la plus courante est le baby boom. Mais celui-ci n'a eu lieu qu'entre 1946 et 1964. Ces cartes postales datent des années 1890 à 1910. Et rien n'explique l'arrivée massive d'orphelins aux États-Unis, ni le nombre d'orphelinats et d'asiles qui existaient et qui ne semblent plus nécessaires. Le récit du baby-boom ne serait-il pas un moyen de balayer cette partie de l'histoire sous le tapis ? Les orphelinats ont tous été fermés et après les années 60, les gens ont cessé d'avoir des enfants et de se marier après la Seconde Guerre mondiale selon le discours dominant. Il y a aussi les couveuses des années 1900. Il est difficile de maintenir en vie des bébés prématurés avec la technologie moderne, mais cela se faisait déjà en 1835 en Europe. Ils en ont fait un spectacle parallèle lors des expositions universelles. Ils présentaient ces couvoirs d'enfants, ces incubateurs d'enfants vivants, et cela était lié à la royauté qui venait assister à ces événements. On a l'idée du clonage par manipulation génétique, dans lequel ces bébés sont en fait cultivés dans une sorte de capsule. Peut-être que le symbolisme du chou reflète ce processus. Les êtres humains ressemblent aux plantes en ce sens que nous sommes reliés à une tige, à l'état fœtal, et que nous passons toute notre vie à mûrir. Dans la théorie de l'enlèvement du fœtus, on voit généralement une femme ressemblant à une infirmière munie d'un hameçon ou d'un filet de pêche qui retire un enfant de l'eau, symbolisant le liquide amniotique. Alors dans un cas comme dans l'autre, il serait logique que ces bébés finissent dans des couveuses ou des incubateurs. Et la question se pose alors de savoir comment tous ces bébés prématurés sont arrivés jusqu'ici. Si les femmes de l'époque accouchaient prématurément, pourquoi en si grand nombre ? Et les bébés étaient tous des bébés, donc ils ont dû arriver là d'une manière ou d'une autre dans un court laps de temps. Quelles sont les chances que tant de bébés prématurés aient été conduits de l'endroit où se trouvait leur mère vers ces couveuses ? Et pourquoi ont-ils fait payer les gens pour les voir comme s'il s'agissait d'une exposition ou d'un spectacle et non d'une question urgente de vie ou de mort ? Depuis des siècles, la cigogne est considérée comme le symbole des nouveaux départs et de la lignée familiale. L'idée que cette créature représente les événements qui donnent la vie est également logique,
car les cigognes sont des créatures monogames qui ne s'accouplent qu'une fois par an avec des partenaires qu'elles ont choisis à l'avance et qu'elles choisissent uniquement en fonction de leur personnalité et non de leur apparence comme le font beaucoup d'autres oiseaux. Maintenant, nous avons les trains d'orphelins. Pourquoi tant d'orphelins? Ces orphelins ont-ils été enlevés à leur famille? Ont-ils été formés pour instruire la nouvelle génération de bébés génétiquement créés? Ou des bébés qui font la sieste dans le ventre de leur mère? Des enfants qui poussent sur les arbres? Des enfants transportés par des cigognes? La déesse grecque Héra et son homologue romain Juno préféraient également la cigogne. Je suis sûre que vous vous souvenez tous de ce film Juno qui parle d'une adolescente tombée enceinte prématurément. Et je suspecte que le Artémis d'Éphèse est un ancien symbole de fertilité utilisé par l'élite pour signifier sa capacité à réensemencer une nouvelle population. Les crochets enlèvent les bébés, les enfants dans l'eau avec une femme tenant un filet ou une canne à pêche. L'eau est un fluide ambiant. Des enfants tirés du ventre de leur mère, peut-être? Serait-il la raison pour laquelle il y a tant de bébés prématurés, manipulés génétiquement? Le clonage n'est pas impossible. Regardez Miracle Millie. Dans Aeon Flux, Hollywood a fait allusion à cette réalité de la repopulation. Et les Cabbage Patch Kids, ça me rappelle un peu ces vieux livres occultes, qui montrent des humains poussant à partir de racines dans le sol ou des mandragores qui sont connus pour avoir des propriétés occultes qui rendent fous. Les bébés sont également prêts à rejoindre leur club d'élite et reçoivent des chapeaux, de la technologie, des vêtements, des villes vides. Des bébés flottent sur des bateaux, ce qui signifie que des enfants naissent, sont trouvés puis pris par la mère, celle avec le panier. Pourtant, cette figure représente la fonction de mère du gouvernement, une opération corporative qui génère des enfants trouvés afin de remplir de nouveaux humains les villes nouvellement vidées et brûlées. Les auteurs de ces cartes postales essaient de nous dire quelque chose de très sombre sur le monde dans lequel nous vivons, comme si c'était de l'humour. Il y a une quantité extraordinaire de travail dans ces premières manipulations de photos. On pourrait penser qu'il devrait y avoir une bonne ressource pour ces vieilles cartes postales, mais elles sont rares et difficiles à trouver. Des bébés avec des chapeaux, des bébés en ville, des bébés avec des nouvelles technologies, des bébés dans des classes, des bébés sur des bateaux emmenés et des bébés en situation d'adulte. S'agit-il d'une référence intelligente au clonage des êtres humains? Nous connaissons l'augmentation soudaine du nombre d'orphelins au cours des années 1800, mais d'où viennent-ils tous? D'où viennent les bébés? Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?